Voilà. Bonjour, Madame la Ministre. Chère Agnès. Bonjour, Guy. Vous m'entendez bien ? Bon, ben, parfait. Très bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous malgré votre emploi du temps extraordinairement chargé, on le mesure. Donc le thème, d'abord, on va en deux parties. Le thème sur l'aspiration des citoyens, ensuite la clôture avec vous-même. Donc Philippe, ou c'est peut-être moi qui vais commencer sur la Suisse, on va vous interviewer. Vous êtes un pays extrêmement riche, vous dépensez 12,5% quasiment du PIB pour la santé. Vous êtes le deuxième pays au monde après les États-Unis, plus que nous. Et un pays en même temps extraordinairement morcelé, 26 cantons en moyenne de 300 000 habitants pour 8 millions et demi d'habitants, qui ont leur propre autonomie. Jusqu'où va l'autonomie du canton en matière sanitaire par rapport à l'office fédéral que vous représentez ? Merci. Je crois que c'est toujours compliqué d'expliquer le système suisse malgré notre petite taille. Et comme vous l'avez dit, notre extrême richesse, qui est pour nous toujours un tout petit peu désagréable comme entrée en matière, mais je ne m'arrêterai pas trop à cette dimension-là. Comme on a tendance à parler bien plus lentement que vous, je ne vais pas prendre votre temps pour vous expliquer l'ensemble de la complexité de notre système. Ça risque de prendre bien longtemps, mais j'aimerais peut-être souligner en fait trois aspects. Le premier, vous l'avez dit, je crois que c'est vraiment notre organisation sur trois niveaux, c'est-à-dire que le canton, le niveau intermédiaire, a une responsabilité extrêmement importante en matière de soins et en matière de santé, c'est-à-dire que la compétence est en fait premièrement une compétence cantonale et ensuite une compétence fédérale, voire nationale. Je crois que le deuxième élément qui est pour nous vraiment important et qui caractérise un peu notre système de santé, c'est le nombre d'acteurs, mais aussi le nombre d'acteurs privés et d'acteurs publics qui doivent se trouver et trouver un équilibre pour notre système. Et puis la troisième chose, qui vous avez déjà fait le cliché de notre extrême richesse, donc je ferai le cliché de notre démocratie directe, je crois la participation citoyenne importante et directe dans la santé, mais dans nombre de nos affaires. Est-ce que Agnès, vous voulez réagir sur cette idée de démocratie directe? Je pense à nos grosses ARS par rapport à ce que font les cantons suisses. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la libéralisation des énergies en France? En réalité, dans Ma Santé 2022, on a fait beaucoup plus de place à la fois aux patients dans le diagnostic territorial qu'ils doivent faire des besoins de santé et aux élus. Et donc, nous sommes absolument convaincus que cette démocratie directe doit se déployer également en France dans le cadre des contrats locaux de santé, dans le cadre des projets régionaux de santé. Et donc, c'est à partir de ces constats-là que l'ARS doit travailler à l'offre de soins, et au sein de l'ARS même, au sein des conseils d'administration, nous essayons aussi de diversifier les profils pour qu'il y ait plus d'élus locaux notamment. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Sur le vieillissement, la prise en charge de la dépendance, qu'est-ce que fait l'État fédéral par rapport au canton? Comment vous répartissez les tâches? Je crois que... Comme je l'ai dit avant, ce qui est important à compréhension de notre répartition des tâches, c'est que la santé est une compétence en premier lieu cantonale. Ce qui nous arrive en fait dans toute une série de sujets où c'est d'abord le canton qui a une responsabilité par rapport à la population et c'est ensuite l'État fédéral qui n'intervient que quand c'est absolument nécessaire, si je peux le dire comme ça. Et peut-être pour revenir à la question qui nous occupe pendant le débat, et je crois que c'est pour moi toujours intéressant d'aller à l'étranger pour comparer les systèmes. En venant ici, je me suis demandé qu'est-ce qui nous différenciait, quelle était vraiment la différence entre la manière de nous organiser en Suisse, la manière de le faire ici en France. Et je vous avoue que j'étais particulièrement perdue sur la question et le titre du débat qui nous anime, parce que c'est pour nous un non-sens de séparer aspiration citoyenne et impératif de gestion. C'est, je crois, des choses en Suisse qui vont ensemble. Et sur votre question de la répartition des tâches, je crois que ensuite, le citoyen, par rapport à la santé, n'a pas une différence entre son meilleur état de santé, un système de santé parfait, d'une qualité impressionnante, et l'État qui doit s'occuper de le financer et de l'organiser. Je crois que c'est des choses qui vont ensemble. Et je sens là peut-être même une différence interculturelle dans notre approche, parce que c'est quelque chose qui chez nous, est simplement normal. Non, mais c'est vrai, vous êtes une exception, et surtout, on est complètement inversé. Vous êtes à 75%, si j'ai compris, de financement privé, par les assureurs privés.
et 25% de public, alors que nous, c'est 78% d'assurance, disons, allez, on peut aller quasi étatique, et 13% d'assurance privée. C'est comme ça que ça marche chez vous. On est vraiment à l'envers l'un des autres. Les assurances sont entièrement privées, avec un échange et une régulation étatique, ce qui fait que c'est pour nous extrêmement difficile de maîtriser les coûts de notre système de santé. Et peut-être à titre d'exemple, le citoyen suisse paye en moyenne à présent environ 10 000 francs par année pour la santé, que ce soit en payant ses primes d'assurance ou en devant participer d'une certaine manière au coût, ce qui fait environ, en traduction française, plus de 9 200 euros. C'est plus du double que nous. Je crois que c'est aussi pas simplement une perception différente, mais un lien du citoyen avec le coût de la santé. On va peut-être quitter la Suisse quelques instants pour aller vers le Danemark. Alors, Per Okels, je vais vous dire, vous êtes mon préféré de tous les orateurs de CHAM cette année, parce que au Danemark, vous avez modernisé les hôpitaux. Vous allez nous dire d'ailleurs la somme qui a été injectée en quelques années. Il a fallu que vous me la répétiez trois fois pour que je vous croie. Vous avez régionalisé le système. Il y a une balance médecine de ville, médecine hospitalière, qui est celle qu'on dit qu'on va faire, nous, depuis des années, que vous avez faite. Le numérique. Enfin, en clair, on débat en France depuis des années sur des tas de sujets absolument importants d'organisation. On n'a pas encore totalement fait, même s'il y a des progrès. Mais vous, vous l'avez fait. Alors, comment vous l'avez fait ? Eh bien, je ne pense pas que le système danois soit exemple de problème, mais c'est un système très simple, avec un payeur par les impôts publics. Le système est organisé avec un accès libre et égalitaire. L'argent provient 100% de l'État et à travers les impôts ordinaires. Mais cependant, nous sommes aussi décentralisés dans 5 régions avec des politiques directement élues qui s'occupent de la valeur pour leur argent et pour la qualité au quotidien. Donc l'organisation est assez simple. Notre système privé représente 2 à 4% de la production, en fait. Le reste est vraiment public. Mais nous ne sommes pas exempts de problèmes. Dans le long terme, c'est à peu près les mêmes problèmes que vous avez en France et en Suisse, avec une population qui augmente, une population vieillissante, des maladies chroniques qui augmentent, avec 70%, je crois, d'augmentation depuis 15 ans. Je crois que c'est à peu près les mêmes chiffres partout, en tout cas dans l'Europe de l'Ouest. Nous avons une augmentation également dans le coût des soins, entre 60 et 70% d'augmentation dans un proche avenir. Nous avons une pression aussi sur le service de la part de la population et les innovations concernant les nouveaux médicaments, ça met du stress également. Je voudrais rappeler que le ministre de la Santé au Danemark, qui a commencé les réformes en 2007, est devenu Premier ministre. Alors, il ne l'est plus, mais qu'est-ce que vous en pensez, Madame la Ministre ? Alors ça, vraiment, c'est une question que je n'avais pas du tout préparée, Monsieur Juvin. Aujourd'hui, je suis très, très occupée par le ministère des Affaires sociales, comme vous le savez, et je suis très heureuse d'occuper ce poste. C'est un ministère absolument extraordinaire. On parle beaucoup de la santé, mais les solidarités, c'est aussi un secteur magnifique où il y a tant à faire. Voilà, c'est ma réponse. Merci de votre réponse synthétique, Madame la Ministre. Alors, il y a quelque chose qui va beaucoup plaire à Guy Valencien, ce sont les infirmières. Alors, non seulement il y a 2 fois plus d'infirmières que la moyenne de l'Union européenne, au Danemark, mais en plus, vous avez donné aux infirmières un rôle qui est très, très différent de celui que nous leur donnons aujourd'hui en France, même si la ministre en parlera tout à l'heure, il y a des choses qui sont évidemment dans le tuyau. Cette question des infirmières, c'est une question clé. Bien, c'est une des raisons que nous avons réduit le temps de séjour à 3,2 jours à l'hôpital.
en moyenne. Et dans un contexte danois, les infirmiers ont des fortes compétences. Elles ont 4 ans d'études après le lycée, donc les infirmiers sont extrêmement compétents. C'est pour ça qu'on peut focaliser sur les soins. Et les soins dans les hôpitaux, et on a pu réduire le séjour à 3,2 jours. Même pour les pathologies graves, on est à 5 jours. Oui, j'entends, et c'est vraiment la direction que nous voulons prendre. Nous pensons que nous ne proposons pas assez d'évolution dans les professions paramédicales, les professions de santé. Or, les compétences évoluent dans tous les pays, et c'est vraiment la direction que j'ai souhaité prendre. Et vraiment, je remercie Guy Valencien, parce que je crois que Guy vous dit ça depuis des années, qu'il faut avoir des professions intermédiaires. Donc, nous avons créé le grade master, des infirmiers de pratique avancée, d'abord dans le champ des maladies chroniques, pour mieux suivre les patients atteints de diabète, par exemple, insuffisance cardiaque. Nous sommes en train de l'ouvrir aux infirmiers en psychiatrie. Nous allons l'ouvrir en médecine d'urgence. Et on en avait parlé, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans à Cham avec Guy Valencien. C'était votre combat, Guy. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et cette direction, nous la prenons aussi plus rapidement en proposant des délégations de tâches dans le cadre de protocoles de coopération qui peuvent se mettre en place très très vite sans attendre même les formations de 2 ans supplémentaires qui vont être prévues dans la loi. Nous avons eu des exemples frappants hier avec des infirmières canadiennes et anglaises, avec notamment une infirmière anglaise qui est une nurse practitioner, une surgical practitioners, elle opère. Et en Suisse, on en est où au point de vue des infirmiers? Vous en recherchez, je crois, vous en demandez? Vous avez un nombre égal, le double de ce que nous avons en France comme infirmiers, ou vous êtes très encore centré sur le médecin qui fait tout? Non, donc on a, comme dans d'autres pays européens, vraiment mis l'accent sur l'interprofessionnalité, la possibilité aussi de pousser les métiers. Je crois que ce n'est pas un secret qu'on a à ce stade en Suisse plutôt une situation confortable qui fait que nous accueillons aussi passablement de personnel médical étranger de toute catégorie. Malgré notre non-appartenance à l'Union européenne, on est au centre de l'Europe, donc on attire aussi toute une série de personnels de ce côté-là. Nous aurons une discussion qui commence maintenant avec une initiative sur les soins infirmiers, sur la manière de l'encadrer, d'y répondre. Donc c'est une discussion que nous aurons aussi avec la population de par notre système de démocratie directe. Et je crois que le fait que l'Organisation mondiale de la santé ait déclaré l'année prochaine comme étant l'année des infirmières et des sages-femmes, ce sera probablement en 2020 un sujet qui nous occupera tous aussi au niveau international pour voir comment répondre aux besoins et puis travailler dans ce sens. Alors, il y a des grands débats aujourd'hui en France, c'est la question des urgences. Nous en avons parlé lors du dernier débat et on voit bien qu'au fond, la crise des urgences est un symptôme d'un dysfonctionnement amont et aval. Et on voit bien que les urgences en soi, évidemment, peuvent être améliorées, mais c'est l'ensemble du système qui vient à être amélioré. Il y a un papier qui a été publié dans l'European Journal of Emergency Medicine il y a 3 ans, qui a fait le bilan de votre réforme en matière d'urgence, et qui montre qu'après votre réforme, les chiffres qu'il donne, c'est moins 25% de consultations aux urgences dans les 3 ou 4 premières années après la réforme. Cette affaire-là, c'est miraculeux, parce que moins 25%, en réalité, ça sauve une organisation qui, parfois, a quelques difficultés. Comment ça marche? J'ai pas lu cet article, malheureusement, mais nous avons un système double lorsqu'il s'agit des soins aigus. Le premier système, c'est les médecins qui s'organisent entre eux, 24 heures sur 24. Donc, ils prennent les premiers appels des patients qui ont moins un problème moins grave ou une maladie moins grave. Et ensuite, c'est vraiment les services d'urgence dans les hôpitaux. Alors, ce que nous avons fait il y a quelques années, et c'est encore en cours, ce processus, en fait, c'était de concentrer tout ce qui était soins aigus en unité plus petite et de
vraiment mettre le spécialiste au cœur. Et cela crée un système où, en fait, on évite trop de malades qui ne sont pas suffisamment malades et qui arrivent. Et lorsque ces personnes arrivent dans ces services, en fait, on peut faire exactement ce qui est nécessaire pour eux, avec des médecins spécialisés. Est-ce que c'est possible pour un seul patient d'aller directement aux urgences sans être filtré? Auparavant, non. Mais si quelqu'un arrive, on va lui dire d'aller au bout de la rue, au bout où les médecins se trouvent. Et les médecins sont très proches des urgences. Ils sont pas loin. Mais si un patient très malade arrive directement aux urgences, bien sûr, on va l'accepter. Mais on ne peut pas formellement y aller, en fait, sauf si vous avez déjà été un peu dépisté par les médecins. Pour nous, on a vraiment, ces dernières années, essayé de vraiment travailler à deux éléments. La première dimension, c'est comment est-ce qu'on maîtrise les coûts de notre système, mais les coûts, disons, entre guillemets, superflus, c'est-à-dire pas les coûts du vieillissement de la population ou les coûts liés à l'innovation médicale, mais vraiment les coûts qu'on devrait pouvoir éviter, parce qu'on estime que c'est une responsabilité conjointe de garantir notre contrat social et de s'assurer qu'on n'a pas seulement un système de bonne qualité, mais aussi un système pérenne en matière de financement. Et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui préoccupe la population, mais qui est une réelle source de soucis de par la croissance des coûts de notre système. Et le deuxième accent qu'on a mis, c'est comment travailler sur la qualité. Parce que je crois que, malgré les clichés qui nous concernent toujours, et c'était le cas au début de la discussion aussi avec notre richesse, c'est le niveau de qualité supposé ou effectif. Et je crois que là, sur toute la question de la sécurité des patients, sur la manière d'améliorer la qualité dans notre système de santé, dans nos hôpitaux, c'est un accent qu'on a mis. On accueillera l'année prochaine, fin février, le sommet sur la sécurité des patients à Montreux, qui n'est d'ailleurs pas très loin d'ici, pour vraiment essayer de travailler sur cette dimension-là. Et si je peux me permettre, sur cette dimension-là, peut-être encore un commentaire. C'est que je crois qu'on se concentre dans la discussion sur les urgences, sur comment réagir quand quelqu'un a une situation extrêmement difficile, rapide. Dans notre analyse de nos défis en matière de santé, je crois que les questions de maladies chroniques sont en fait la source de soucis principales, parce que c'est là que les coûts principaux sont générés, c'est pas vraiment parce que quelqu'un irait à l'hôpital pour une piqûre de guêpe. Mais les maladies chroniques, elles sont soignées en ville, plus qu'à l'hôpital, désormais. Well, as I mentioned before, the problem about chronic diseases actually are very. Le problème avec les maladies chroniques est croissant dans le contexte danois. Dans l'un des plans que nous avons, nous en avons beaucoup discuté pour savoir comment aborder cette problématique. Et le plan de travail que nous avons actuellement n'est pas encore mis en place. En tout cas, l'idée, ce serait d'avoir 20% des cas traités en dehors de l'hôpital. Donc, il s'agirait de mettre en place un plan de qualité inversée. On a demandé aux services d'urgence combien de patients pouvaient être traités ailleurs. Et par exemple, pour les patients atteints de diabète, on s'est rendu compte que 75% des patients pouvaient être traités en dehors de l'hôpital. Pour cela, il faut s'appuyer sur les villes, la médecine de ville. Et nous devrons mettre ça en place dans les 5 ou 10 ans à venir, car l'hôpital ne pourra pas sans cesse s'en occuper. Cela détourne des fonds qui devraient aller ailleurs. Donc cela dépend d'un plan médical, bien sûr, mais aussi d'un plan économique et d'un plan social. Pour les médecines chroniques, on veut qu'elles soient traitées davantage à la maison. C'est parce que leurs systèmes sont totalement opposés et qu'en même temps,
le financement par tête de citoyen est très différent. Vous nous avez dit 9 000 euros en Suisse. Nous sommes à 4 500 euros au Danemark par habitant, à peu près, de dépenses. Et nous, nous sommes à 3 000 euros pour des résultats de santé publique identiques. Donc, qui a raison? Qu'est-ce que dit la ministre? Qui a raison? Quelle réflexion ça vous amène de voir ces différences à la fois d'organisation et de financement qui aboutissent à des résultats globalement identiques en Europe, enfin dans les trois pays? Curieux. Ah, alors, voilà. Je n'ai pas entendu tout parce que le son est très mauvais. Pardon. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a deux systèmes effectivement assez opposés entre le Danemark et la Suisse qui aboutissent à des résultats à peu près équivalents. Oui. Et donc, quel est le bon système? En réalité, il n'y a pas un bon système. Chaque pays a ses réalités géographiques et sociales. Le problème de la France, c'est des inégalités géographiques et sociales très importantes dans nos territoires qui font qu'on a des difficultés à harmoniser l'accès aux soins, et c'est ça le travail. Et on ne peut pas évidemment se comparer à un pays comme le Danemark qui est beaucoup plus homogène en termes de population et qui n'a pas le problème des déserts médicaux que nous avons. Donc chaque pays doit trouver sa solution avec l'offre de soins dont il dispose, avec les professionnels dont il dispose, et adapter aux différences géographiques, culturelles et sociales. Donc c'est ce que nous... J'ai envie de vous dire, il y a une phrase de Tocqueville que j'adore qui dit « les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté, mais ils ont pour l'égalité une passion ardente, insatiable, éternelle et invincible ». Je pense que c'est ce qui caractérise la France, ce besoin d'égalité. On l'a encore entendu avec la crise sociale de ces derniers mois. Et donc mon devoir en tant que ministre, c'est de réduire les inégalités territoriales, sociales, et de trouver des systèmes qui s'adaptent. C'est pour ça que je suis très favorable à la territorialisation des soins, c'est-à-dire à vraiment faire en sorte que chaque bassin de vie, chaque territoire trouve sa solution adaptée aux besoins locaux. D'accord. Non, vous avez raison, madame la ministre. Je crois que les Français sont très contradictoires. Ils veulent la révolution, mais pas trop, la réforme, mais pas trop. Toutefois, peut-être peut-on tirer des leçons de ces États qui sont plus homogènes en travaillant peut-être en France plus sur du coup une hyper-régionalisation qui permet de retrouver une certaine homogénéité. Alors, la régionalisation, il la faut. C'est-à-dire que moi, je pense que les collectivités territoriales, que ce soit la région, les départements ou les communes, ont leur rôle à jouer parce qu'ils connaissent bien leur population, ils connaissent bien les besoins, et ils ont leur rôle à jouer, notamment dans toutes les questions de santé publique, de prévention. Ils savent sur quoi il faut mettre l'accent, ils savent les difficultés locales. Et donc, dans la loi Ma Santé 2022, nous avons rendu la compétence santé, si je puis dire, à toutes les collectivités, la compétence générale. Donc, chaque collectivité peut s'emparer du sujet santé. Ce à quoi je me suis opposée aujourd'hui, c'est à une régionalisation de l'ONDAM. C'est-à-dire que je pense que l'ordonnateur ne peut pas, des dépenses et des recettes ne peut pas être la région. Parce que l'on va créer à ce moment-là des différences entre les régions. C'est ce qu'on voit aussi un peu en Suisse avec les différences entre les cantons, voire des compétitions entre cantons qui essayent d'attirer des médecins en les payant plus cher, d'attirer des infirmières. Et donc, en fait, ce que nous vivons entre les pays européens aujourd'hui qui se font concurrence, et c'est le problème que nous avons en transfrontalier avec la Suisse, nous savons que nos professionnels sont attirés par la Suisse pour des raisons évidemment évidentes financières, nous le vivrions au sein de notre pays entre les régions. Donc, je pense que ce souci d'égalité des chances et des droits, c'est à l'État de l'assumer pour nos concitoyens, mais je suis très favorable à la territorialisation des décisions, c'est-à-dire que les collectivités s'emparent du sujet santé et participent à trouver des solutions avec les ARS notamment et avec les acteurs de santé. On va regarder ça de façon très pragmatique. En Suisse, en moyenne, un généraliste gagne combien et une infirmière combien? En moyenne? En France, c'est 78 000 euros, un généraliste. Et une infirmière, on va tourner autour de 25 000 euros maximum. Mais je crois que la ministre l'a bien dit,
nous sommes extrêmement décentralisés. Donc, pour répondre à votre question, il faudrait que je vous réponde plus ou moins 26 fois sur les catégories différentes et dépendant passablement du lieu d'engagement, c'est-à-dire un hôpital privé, un hôpital public. Donc, je vous avoue que je n'ai pas de réponse à votre question. Alors, l'urologue que je suis, vous me conseillez de m'installer où, à Zouk ou à Genève? Les urologues, par définition, sont certainement pas ceux qui sont le moins bien payés. En Suisse, vous êtes le bienvenu quand je vous le savais. Et Madame Marc, combien est payé un GP, un médecin généraliste, et combien est payé une infirmière dans le système très étatisé que vous avez? Ils sont salariés tous les deux. Then I have to figure it out from. Je ne sais pas, j'aurais besoin de faire une conversion de devise pour un médecin, environ 200 000 euros, je pense. Et pour un ou une infirmière, environ, peut-être, si je fais la conversion. Il a ajouté, mais ils sont très productifs. 25 000 euros peut-être pour les infirmières. Mais s'agissant de la compétition, la concurrence entre les régions, on peut adoucir la compétition. On l'a fait au Danemark. Nous avons une agence nationale, une agence médicale nationale, qui fournit un plan pour les 20% de valeurs les plus élevées. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas effectuer de chirurgie à cœur ouvert si vous n'avez pas tel seuil minimum de patients. Finalement, cela revient à limiter la concurrence entre les régions et entre les autorités régionales de santé. Le niveau élevé des revenus de ces professionnels de santé, c'est clair, tout à fait clair. Tu as une question encore? J'avais une question sur la prévention, mais si tu as une question. Alors, on aime bien en France ces débats parfois un peu simplistes. Et puis, il y a un débat qui revient, serpent de mer, qui est de dire oui, il faut augmenter le nombre de lits. On n'a pas suffisamment de lits. Je crois tout à fait le contraire, mais je voudrais avoir votre sentiment sur d'abord ce qui s'est passé, vos résultats, ce que vous avez observé. Et je vais donner un chiffre, c'est que vous êtes dans l'Union européenne, le pays où il y a le plus fort ratio de médecins et d'infirmières par lit d'hospitalisation. C'est un peu mécanique vu la diminution du nombre de lits, mais c'est assez naturel. Lorsque le patient est hospitalisé, on a une concentration de services autour de lui et de soins infirmiers. C'est pourquoi nous avons ce ratio qui est très élevé. On est descendu ainsi à 3,2 jours. On a appelé ça il y a 2 ans un plan super hôpital. On a voulu augmenter la productivité. Donc c'est un instrument gouvernemental que nous avons mis en place. Et c'est ainsi que nous avons choisi l'hôpital que nous voulions mettre en place et nous avons ce programme. Par rapport à la France, c'est 40 milliards d'euros qui s'ajoutent aux investissements que nous avons aujourd'hui. 40 milliards d'euros en 10 ans d'investissement? En fait, ça commencera aussi vite que possible, mais ça prendra sûrement 6 à 7 ans pour arriver à la fin de ce programme et pour voir le résultat sur les patients. On va peut-être demander à Agnès Buzyn de nous dire un certain nombre de choses qu'elle voudrait nous dire, mais j'ai une question à lui poser d'abord, c'est comment voyez-vous, à partir de ce que vous avez déjà fait, parce que je dois vous dire, et en toute amitié, qu'on est très admiratif du courage que vous avez eu pour certaines actions, je pense notamment sur la vaccination et sur l'homéopathie, il fallait le faire, hein, de tenir bon scientifiquement face à une opinion qui était contre, hein, et qui voulait absolument, et bravo parce que ce n'était pas facile, et on vous le salue. Merci.
maintenant, tout reste à faire. Vous avez commencé, vous avez initié, mais comment voyez-vous l'évolution de la gouvernance dans une fluidité, je dirais, augmentée ? D'abord, toute la philosophie de Ma Santé 2022, c'est de faire confiance aux acteurs de terrain. C'est d'arrêter de penser que l'État central peut réguler à l'échelon territorial. Et autant nous devons être garants de l'égalité de l'accès aux soins, autant je pense que les organisations doivent être beaucoup plus à la main, beaucoup plus à la main des professionnels. C'est tout l'esprit de la réforme. Et je suis certaine aujourd'hui que nous avons les leviers pour mieux coordonner les acteurs de santé dans les territoires. Ça, c'est un grand axe de Ma Santé 2022. Je pense que nous avons des leviers parce que les professionnels de santé sont prêts maintenant à ce décloisonnement. L'émergence des pathologies chroniques l'impose. On ne peut plus soigner quelqu'un seul dans son cabinet. Il faut impérativement des actions d'infirmiers, de podologues, d'ophtalmos autour du patient diabétique. Et donc, on doit vraiment s'organiser autrement. Et j'ai confiance dans les communautés professionnelles territoriales de santé pour émerger. Il y a une forte dynamique là qui s'est mise en place depuis la loi avec les premières signatures de contrats. Et on met de l'argent sur la table pour transformer. De la même façon, les délégations de tâches, le fait que le médecin se recentre sur sa valeur ajoutée, je pense que c'est un impératif. Les médecins, notamment libéraux, avaient perdu le sens de leur métier. C'est vrai aussi à l'hôpital, mais j'y reviendrai. Et il faut leur dégager du temps médical. Ça, c'est les délégations de tâches à d'autres professionnels et c'est les assistants médicaux, parce que ça, je crois que c'est un plus de qualité de vie au travail. C'est un plus pour la prévention, pour la bonne prise en charge des patients. Et ça, je compte aussi sur le déploiement. Les organisations collectives, ça fonctionne très bien, c'est le souhait des jeunes médecins, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé, plus 37% en 2 ans. Donc on voit que la dynamique, elle s'installe, donc j'ai confiance dans les orientations que nous avons données. Ensuite, l'hôpital, il doit se recentrer sur sa forte valeur ajoutée, je l'ai toujours pensé. Et nous avons proposé une nouvelle organisation des hôpitaux avec une gradation des soins. C'était un gros mot. Il y a 2-3 ans, on assume qu'il y a des hôpitaux de proximité qui ne font pas tout, mais qui sont la porte d'entrée vers des soins plus complexes, et on les finance autrement, pas sur l'activité. La T2A n'a pas de sens pour un hôpital de proximité qui doit servir son territoire, plein de personnes âgées. On ne lui demande pas d'être attractif ni de faire de l'acte. On lui demande d'être au service de nos concitoyens. Donc, il y aura un changement de la tarification des hôpitaux de proximité dès cette année dans le PLFSS. Et puis, il faut réinvestir. Moi, je suis convaincue qu'il faut réinvestir dans l'hôpital, dans les locaux, mais dans le matériel pour que les professionnels qui y travaillent retrouvent du plaisir à y travailler. Il faut aussi donner plus de pouvoir dans les organisations au sein de l'hôpital aux professionnels. Je pense que la loi HPST a eu du bien, elle a fait du bien à l'hôpital, mais on est allé trop loin dans une gouvernance qui nécessite maintenant d'être plus dual entre la communauté professionnelle. On doit recentrer les projets hospitaliers et des projets des groupements hospitaliers de territoire autour des projets médicaux, des filières de prise en charge médicale et pas uniquement sur des aspects purement administratifs ou financiers. Et ça, c'est aussi dans la loi Ma Santé 2022 qui donne la primauté aux projets médicaux au sein des GHT sur simplement l'aspect financier. Donc voilà, on a beaucoup de leviers qui ont été activés dans Ma Santé 2022. Je pense que tout le monde adhère au projet. Tout le monde adhère à la direction. On crée des professions intermédiaires comme le souhaitait Guy Valencien depuis des années. On assume des infirmiers de pratique avancée. C'est aussi, on parlait des salaires des professionnels tout à l'heure. J'ai vaguement entendu la Suisse et le Danemark parler des salaires. Moi, je suis favorable à revaloriser ces métiers de la santé. C'est indispensable. Mais je veux le faire en changeant aussi les organisations et les compétences. C'est-à-dire qu'il faut que l'argent vienne aussi reconnaître des évolutions de pratiques, pas juste donner de l'argent sans décloisonner, sans obliger à travailler ensemble, sans obliger à la coordination. Et ça, c'est vraiment la direction que je prends pour revaloriser tous ces professionnels dans les années qui viennent. Merci. Merci infiniment. Vous voulez dire un mot à Madame Buzyn? Only that...
seulement que j'espère que vous réussirez comme d'autres, les autres ministres de la Santé dans les années à venir. Je sais bien que c'est un défi considérable et je vous rejoins tout à fait pour dire qu'il n'y a rien de tel qu'un système clair. C'est un travail de longue haleine. Je vous souhaite un franc succès. Madame Kronig. On est plutôt à des grandes différences de système, à comment est-ce qu'on le gère nos défis différemment. Je crois qu'il y a finalement toujours deux choses qui nous rassemblent, malgré l'historique derrière la construction d'un système de santé, la culture. C'est qu'on est tous confrontés à optimiser notre organisation. Et je crois qu'il y a un degré optimal de décentralisation. Je crois qu'on est à des opposés très différents entre la France et la Suisse, mais je crois que là, il y a quelque chose à partager. Et on va dans une direction similaire. Et puis, s'occuper d'une allocation optimale de ressources. Et je crois que finalement, c'est ce qui nous rassemble tous les trois et qui demande des changements, demande des actions politiques courageuses. Donc, je vous félicite pour vos actions et je me réjouis de voir dans quel sens nous pourrons nous inspirer des travaux en cours chez vous. Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, merci, merci infiniment. Merci, Madame la Ministre. Merci, Agnès. Merci, Madame Nora Kronig. Merci, à Peter Hockels.